Merci. Disons béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Et nous pensons que nous allons vivre dans un moment qu'on a pour nous passer à l'Italie. L'Italie, c'est une prière formée d'une longue suite d'invocations à Dieu, à Jésus-Christ. Côté que pasteur nous va dire prière, il y a des parties qui sont pasteur, des parties qui sont assemblées. Ou même qui est livré à la main, on a parlé dans page 6 et page 7, c'est la prière qu'elle en fait. Côté qui dit pasteur a intercédé, la petite parole parlée. Et côté qui dit assemblée, moi-même avec vous, on a répété partie par eux. On nous fait place à pasteur pour partie ça. Pendant la avancée, on nous applaudit cet esprit de Dieu dans la réunion. La paix de Dieu avec vous. Amen. C'est un contentement, nous, les matins. Hein? Nous, dans l'enceinte de l'Église de Dieu de la prophétie de Delray, pour nous célébrer le 41e anniversaire de cette Église, après que tant haïtiens sortis en Haïti, nous venons ici, nous pas fait seulement pour travail, nous pas là pour nous manger, mais nous sommes là pour nous bailler pour Dieu louange. C'est peut-être ça matin, hein? Nous bâtir le Seigneur, travail là quand même. On a demandé avec le bon Dieu en font-ils camper. Vous allez tout le monde lever camper. Si bien on monde dit malade ou moins, nous ne pouvons pas forcer de lever camper parce que nous allons faire honneur à l'Éternel des âmes. On a dit béni soit l'Éternel. On a dit merci d'avance, Seigneur. Comme la bonne main du Seigneur nous a fait prospérer et nous a permis par sa grâce et sa puissance de posséder cette maison sainte qui sera utilisée pour la gloire de son nom, nous sommes venus aujourd'hui pour la dédier à sa gloire. Ensemble, oui, nous voulons la dédier à sa gloire et à son service. À la gloire de Dieu notre Père, de qui vient chaque don parfait et bon et parfait. Nous consacrons cette maison à l'honneur de Jésus-Christ, son Fils, notre Maître et Sauveur, à la louange de cet Esprit, notre réconfort, source de lumière et de vie. Oui, nous dédions cette maison. Pour la prédication de l'Évangile de la grâce de Dieu, pour le salut des pécheurs et l'édification des chrétiens par la connaissance de la vérité spirituelle. Oui, nous dédions encore cette maison. Pour observer avec révérence les ordonnances du Seigneur, pour prêcher la parole du Seigneur qui vit de toute éternité, pour le salut de ceux qui périssent et pour guider les pèlerins de Dieu à travers la nuit des temps vers le pays de la lumière éternelle. Oui, nous dédions cette maison. Qu'on n'entende dans ces murs aucune note discordante, aucun esprit méchant, d'orgueil et de mondanité. Non, non. Non, j'entends aucune chose pareille. Pour intercéder en faveur des âmes qui sont dans l'obscurité du péché, dans d'autres pays et pour nos loyaux missionnaires chercher à les sauver. Oui, nous bénissons cette maison. Pour aider les nécessiteux, pour favoriser la fraternité chrétienne. Oui, nous bénissons encore cette maison. Lève-toi, Seigneur, dans ton repos avec l'âme de ta force. Que tes pasteurs soient revêtis de justice et que ton Père crie de joie, grave ton nom sur cette maison. Que tes yeux te regardent constamment, entends les supplications de ton Père quand il prie et pardonne quand tu entends. Maintenant, affermis pour nous l'ouvrage de nos mains et à ton nom béni, ô Seigneur, à qui nous appartenons et que nous servons, soit l'honneur et à la gloire éternelle. Oui, Seigneur, à ton nom béni soit l'honneur et la gloire éternelle. Qu'on n'entende dans ces murs aucune note discordante, aucun esprit méchant, d'orgueil, mondanité. Amen. Amen. Merci, mettez-vous. Merci.